Ravioli à la viande de porc. Ingrédients: une racine de bambou, un demi-chou frisé, de 2 à 3 têtes de champignons divers, une racine de gingembre, un petit oignon, du sel, 250 g de viande de porc hachée, du sucre, de la sauce au soja, du riz fermenté et 200 g de farine de type 00. Préparation. Coupez grossièrement le chou frisé et faites-le bouillir dans le wok dans une petite quantité d'eau. Laissez-le cuire pendant 2 minutes. Puis égouttez-le et passez-le sous l'eau froide. Hachez ensuite le chou bouilli. Ainsi que le petit oignon. Faites de même avec les champignons. Le bambou. Et enfin le gingembre. À l'aide d'un hachoir, hachez les ingrédients en même temps. Puis, placez-les dans un bol avec la viande de porc. Ajoutez ensuite une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, 4 cuillères à café de riz fermenté, et une cuillère à café de sauce au soja. Amalgamez bien la garniture et mettez-la de côté. Préparez à présent votre pâte pour les raviolis. Versez une louche d'eau bouillante sur la farine et amalgamez. Puis, pétrissez jusqu'à obtenir un composé homogène. Enveloppez le composé dans un torchon humide et laissez-le reposer pendant une demi-heure à température ambiante. Prenez ensuite deux grosses feuilles de choux. Enlevez la nervure centrale et disposez une feuille à chaque étage dans les paniers pour la cuisson à la vapeur. Prenez à présent le composé. Travaillez-le à la main et donnez-lui la forme d'un saucisson. Enfarinez-le, puis coupez-le de façon à obtenir des petits disques. Aplatissez les petits disques en exerçant une légère pression avec la paume de votre main. Puis affinez-les à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Entre-temps, faites chauffer 6 louches d'eau dans le wok.
et disposez-y le dernier panier. Prenez à présent un petit disque de pâte et répartissez au centre une cuillère à soupe de garniture. Refermez les raviolis en leur donnant leur forme caractéristique. Placez les raviolis dans les deux paniers au-dessus des feuilles de choux. Disposez ensuite les paniers l'un sur l'autre dans le wok. Et faites cuire les raviolis pendant une dizaine de minutes en utilisant un couvercle. Rappelez-vous que pour une cuisson à la vapeur, il faut que le dernier panier immergé dans l'eau soit vide. Disposez les paniers sur des assiettes de présentation et servez.